boycott du sexe est-il un bon moyen pour la société de s'opposer à l'État? Pour cela, nous verrons tout d'abord en quoi le boycott du sexe est une notion problématique. Ensuite, nous demanderons si Liz Rata est la première féministe avant l'heure dans la mesure où il s'agirait de la première personne à avoir appelé à un boycott du sexe dans l'histoire. Enfin, nous verrons que l'abstinence sexuelle peut être une arme politique. Alors, tout d'abord, nous avons essayé de questionner la notion de boycott du sexe en montrant que cette notion est éminemment problématique. Pour cela, il nous faut tout d'abord repartir de la notion même de boycott. Ce terme provient en réalité d'un nom propre de Charles Cunningham Boycott, un propriétaire terrien irlandais de la fin du XIXe siècle, contre lequel des fermiers se sont opposés afin de faire pression contre la manière dont il les traitait. La définition du boycott peut être caractérisée comme étant une action collective dans la sphère publique visant à ne plus se procurer un bien, produit ou un service émanant d'un individu, d'une entreprise ou bien d'un État, qu'il soit étranger ou non. Les différents objets du boycott, ça peut être un individu, on peut boycotter par exemple les œuvres d'un artiste, une entreprise, les services qu'elle fournit, comme par exemple les outils de navigation Internet, ou bien un État, avec comme exemple des produits agricoles. L'objectif du boycott est clair, il s'agit d'exercer une pression financière. Ainsi, il semble qu'il y a peut-être une opposition avec ce qu'est un boycott du sexe. En effet, le boycott du sexe peut être défini comme étant une cessation de manière collective de tout rapport charnel avec une catégorie de la population. Pourquoi le boycott du sexe est alors problématique? Car la dimension économique, qui est normalement essentielle à la notion de boycott, y est absente. De plus, l'origine même du boycott est problématique. Là où le boycott implique normalement de s'abstenir de produits ou de services extérieurs, dans le cas du boycott du sexe, nous sommes nous-mêmes le service dont nous privons, entre guillemets, autrui. L'expression même de grève du sexe est tout aussi problématique puisqu'elle semble suggérer qu'une personne qui fait une grève du sexe est un travailleur ou bien une travailleuse du sexe. En conclusion de cette première partie, nous voyons donc que l'expression même de boycott du sexe est problématique. Pour essayer de la cerner de manière un peu plus précise, nous allons désormais repartir du premier boycott du sexe de l'histoire qui nous est conté dans une pièce intitulée « Liz Rata ». Et Liz Rata aurait été la première femme de l'histoire à appeler à un tel boycott. Et nous allons nous demander s'il s'agit en vérité de la première féministe de l'histoire. Pour cela, nous devons repartir de l'auteur de cette pièce, qui est Aristophane, un poète comique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus précisément, il s'agit d'un auteur de théâtre. Dans l'Antiquité grecque, le théâtre n'était pas seulement un loisir parmi d'autres, mais il s'agissait véritablement d'une activité qui avait une vocation civique, qui permettait d'unir la société de manière régulière. Cet auteur est également connu pour d'autres pièces comme l'Assemblée des femmes, où les femmes jouent un rôle politique comme dans Liz Rata, ou bien pour nous, philosophes, une pièce qui nous intéresse, il s'agit des Nuées dans laquelle Socrate est ridiculisé, pièce qui aurait servi comme argument pour conduire à la mort de Socrate quelques années plus tard. Alors, une petite anecdote, tout d'abord sur l'aspect scandaleux des pièces d'Aristophane, car il faut savoir que c'est un auteur comique qui utilise beaucoup de procédés comiques extrêmement larges. Cela va de l'allusion politique extrêmement fine pour l'époque à la blague la plus scabreuse, obscène, voire même de l'humour scatologique. Et cette dimension particulièrement obscène des pièces d'Aristophane a valu à ses différentes représentations au cours de l'histoire, notamment au XIXe siècle et au XXe, un parfum de scandale qui était entouré de ces pièces. Par exemple, le traducteur anglais de Liz Rata nous rapporte, dans l'édition où se trouvent les gravures de Picasso que vous allez pouvoir voir de manière régulière, qu'il y a eu une représentation de Liz Rata à Los Angeles au début du XXe siècle. Cette représentation a extrêmement mal tourné, 53 personnes ont été arrêtées, et un mandat d'arrêt a même été émis à l'encontre d'Aristophane. L'histoire ne dit pas si Aristophane est toujours traqué par la police de Los Angeles. N'hésitez pas de les prévenir afin de mettre un terme à cette traque qui dure depuis près d'un siècle. Alors, venons-en maintenant à la pièce de théâtre, plus exactement Liz Rata d'Aristophane, qui a été représentée plus particulièrement en 411 avant Jésus-Christ. Et nous allons voir que cette date est importante. Mais tout d'abord,
que signifie l'isistrata? Un peu de grec ancien, cela ne fait jamais de mal, et n'hésitez pas à étudier le grec ancien ou à y retourner. Alors l'isistrata, ce n'est pas un véritable nom propre, c'est un nom qui est inventé par Aristophane. Il est composé de deux termes grecs. Tout d'abord, lusis, qui signifie la dissolution, et d'autre part, stratos, l'armée. L'isistrata, littéralement, c'est celle qui va dissoudre l'armée. Pour comprendre ce terme, il va nous falloir revenir à un peu de contexte historique. Alors, où sommes-nous au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Aristophane représente cette pièce? À Athènes. Vous allez pouvoir voir l'Acropole, et là, au premier plan, le théâtre de Dionysos, dans lequel il y avait des représentations. Nous allons voir que l'Acropole, qui est l'endroit le plus important dans l'Athènes classique, qui était le siège, le lieu le plus sacré en son sein, joue un rôle essentiel dans l'Isistrata. Pourquoi? Car l'Isistrata est le texte antique qui nous fournit la description la plus précise de l'Acropole. La situation politique au moment de la représentation de cette pièce est particulièrement grave en Grèce. Il y a une guerre qui déchire l'ensemble de la Grèce. Cette guerre a lieu entre deux cités principalement. On la désigne normalement par la guerre du Péloponnèse. Qu'est-ce que le Péloponnèse? Cette petite région à l'ouest de l'Attique. Et les deux belligérants sont Athènes, d'une part, et Sparte, de l'autre. Ces deux cités vont se livrer à une guerre sans merci pendant plus d'une vingtaine d'années, qui sera marquée à la fin par la défaite définitive d'Athènes. Et quelques années plus tard, l'exécution de Socrate à Athènes, après de nombreuses turbulences politiques. Alors, dans cette pièce, différentes étapes sont présentées pour montrer la manière dont les femmes vont décider de se réunir pour mettre en place un boycott du sexe. Tout d'abord, l'Isistrata va convoquer l'ensemble des femmes de la Grèce. Et ce point est important car il faut se rappeler que dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'État-nation comme nous les connaissons aujourd'hui sur un territoire énorme, mais chaque cité en Grèce avait sa propre législation politique, ses propres lois, sa propre population, ses propres règles. Par exemple, la démocratie existait à Athènes, mais pas à Sparte. Cette réunion de l'ensemble des femmes de la Grèce est en elle-même quelque chose un caractère extrêmement utopique dans la pièce d'Aristophane. L'Isistrata va alors proposer une solution radicale afin de mettre un terme à la guerre qui déchire la Grèce. Je vais vous lire le texte. L'Isistrata. Je vais parler car il ne faut pas que la chose reste secrète. Nous avons, ô femmes, si nous voulons contraindre nos maris à faire la paix, à nous abstenir. Cléonice. De quoi? Dis. L'Isistrata. Le ferez-vous? Cléonice. Nous le ferons. Dussions-nous mourir. L'Isistrata. Eh bien, il faut vous abstenir du pénis. Pourquoi dites-moi, vous détournez-vous? Où allez-vous? Eh, vous autres, pourquoi faites-vous la moue et hochez-vous la tête? Pourquoi changer de couleur? Pourquoi cette larme qui tombe? Le ferez-vous, ne le ferez-vous pas? Qu'est-ce qui vous arrête? Cléonice, je ne saurais le faire. Tant pis, que la guerre suive son cours. Myrine, par Zeus, moi non plus. Tant pis, que la guerre suive son cours. La solution contre la guerre est simple. La grève du sexe, ou plus exactement, du sexe masculin. Suite à cette réunion entre les femmes, l'Isistrata va malgré tout finir par convaincre les autres femmes de la Grèce de s'abstenir sexuellement. Et cela va procéder par le biais d'un serment sacré par lequel elles vont jurer de s'abstenir. Suite à cela, elles vont alors prendre l'Acropole, l'endroit le plus sacré d'Athènes. À ce moment-là, elles seront alors en position de force pour s'abstenir, pour négocier avec les hommes. Cette négociation va mener alors à la fin de la guerre et comme dans tout bon album d'Astérix, par un grand festin. Alors, désormais, nous pouvons nous demander, après que je vous ai présenté très rapidement la pièce d'Aristophane, que je vous invite à aller lire, voire à aller explorer le grec lui-même, cette pièce peut-elle être caractérisée comme étant une pièce féministe ou bien une farce burlesque? Est-ce drôle pour les Athéniens d'imaginer les femmes réclamer des droits politiques? La réponse est simple, oui,
C'est extrêmement drôle pour un Athénien. Pourquoi? Tout simplement du fait du statut même des femmes dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles ne disposent d'aucun pouvoir politique, comme les esclaves ou les métèques. À Athènes, il faut se rappeler que sur une population de 200 000 habitants, il n'y a que 40 000 citoyens. Et ces 40 000 citoyens ne sont que des hommes. D'autre part, il faut également se rappeler du statut des femmes. Lorsqu'elles sont mineures, elles sont sous la tutelle de leur père. Quand elles se marient, elles sont sous la tutelle du mari. Et si le mari meurt, elles sont alors sous la tutelle du fils. Par conséquent, imaginer les femmes détenir un pouvoir politique et jouer un rôle politique est impossible au 5e siècle avant Jésus-Christ. De plus, un autre élément nous montre qu'il ne s'agit pas d'une utopie féministe, c'est notamment le fait qu'Aristophane joue en réalité sur les ressorts traditionnels du comique, les oppositions extrêmes, d'une part les hommes, d'autre part les femmes, et enfin également l'inversion des rôles. Les femmes jouent le rôle des hommes. C'est un peu comme pour les amateurs de théâtre, dans les pièces de Marivaux, lorsque le maître devient esclave et l'esclave devient maître. Marivaux n'est pas pour autant un abolitionniste avant l'heure, c'est juste drôle. D'autres indices sont les nombreuses expressions misogynes que l'on retrouve dans le texte. Je vous en lis une seule. « Il n'est pas d'engeance plus impudente que les femmes. » On en retrouve à de multiples reprises dans la pièce. Nous pouvons conclure ce moment sur l'Israta en disant que la gynécocratie, c'est-à-dire le pouvoir des femmes, ne peut être qu'une anomalie monstrueuse pour les Grecs. Il ne s'agit en rien d'une utopie réalisable pour les Grecs, mais uniquement d'une vaste plaisanterie. En conclusion, nous pouvons noter deux choses. D'une part, nous voyons que chez Aristophane, les expressions contemporaines de boycott du sexe ou grève du sexe n'ont pas d'équivalent strict. Nous avons montré dans un premier temps que ces expressions étaient en quelque sorte mal formées, puisqu'à proprement parler, il n'y a pas de véritable grève du sexe. Une grève du sexe, c'est comme un cercle carré. De plus, Aristophane préfère utiliser l'expression d'abstinence sexuelle, plus précisément d'abstinence du sexe masculin. L'objectif d'Aristophane est simple, il s'agit de faire rire. Et uniquement de faire rire. Se pose alors la question. Le traitement de l'abstinence sexuelle comme simple plaisanterie par Aristophane condamne-t-il pour autant ce moyen de lutte? Est-ce que, du fait que nous rions avec Aristophane, avec toutes les plaisanteries qui émaillent son texte, cela disqualifie-t-il le boycott du sexe lui-même? Est-ce que nous allons voir, dans un troisième et dernier temps, concernant l'abstinence sexuelle utilisée comme arme politique. Or, quelques appels au boycott du sexe qui ont existé depuis le début du XXe siècle. Certains ont eu lieu dans des situations particulièrement tragiques, notamment lors de la guerre en Irak en 2003, ou bien, comme nous allons le voir par la suite, au Libéria. Mais également dans des situations beaucoup plus triviales, notamment dans le cas de la Belgique, comme nous allons l'évoquer, où une sénatrice, Marlène Temmerman, avait appelé, lorsqu'il y avait une vacation du pouvoir politique en Belgique, les femmes à effectuer une grève du sexe. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pour elle que d'une blague, de la même manière que Benoît Poelvoorde avait menacé de ne plus se raser jusqu'à ce que le gouvernement belge obtienne un gouvernement politique. Pour autant, le boycott du sexe a également été utilisé dans des situations bien plus graves et beaucoup moins drôles. C'est le cas au Libéria, notamment en 2003, par l'activiste Lema Bowe, qui est une militante libérienne pour la paix, une travailleuse sociale et qui est également défenseur des droits des femmes. Elle a obtenu le prix Nobel en 2011. Le Libéria, pour rappel, cela se situe ici en Afrique. Au début des années 2000, il y avait une guerre civile qui ravageait ce pays. Lena Bowe a réussi à coaliser l'ensemble des femmes, y compris de religions différentes, afin de mettre en place des actions, des grandes manifestations, afin que la situation politique du pays change. Et c'est suite à ces nombreuses actions qu'un appel au boycott du sexe avait été effectué par Lena Bowe. Pour autant, l'ensemble de ces boycotts du sexe ont suscité un ensemble de questions très importantes après chacun de ces appels.
Le problème qui a été souvent soulevé est de savoir si ces appels sont légitimes ou non. Je vais vous donner une petite liste non exhaustive d'un ensemble de personnalités qui se sont opposées à de tels boycotts. Tout d'abord, Kira Cochrane dans Le Guardian en 2011, Hélène Morales dans un article scientifique en 2013, Hayley McMillan dans un article d'une revue Allure en 2017, et de manière peut-être un peu plus prosaïque, Marlène Schiappa sur Instagram en 2019. Dans ces différentes questions qui ont pu être soulevées sur la légitimité du boycott du sexe, nous pouvons rappeler un certain nombre de points. Toutefois, vu les différentes sources que vous pouvez voir que je viens de vous énoncer, je tiens à souligner qu'elles n'ont pas toutes le même statut, en particulier l'article de Hélène Morales dans Greece and Rome, qui est un article scientifique universitaire que je vous encourage à aller lire, qui n'a pas le même statut qu'une prise de position dans un journal. Le problème qui sont soulevés lors de ces appels au boycott du sexe sont de trois types. Tout d'abord, l'opposition binaire de tel boycott, où l'homme est opposé de manière quasiment essentialisée avec la femme. L'homme et la femme sont radicalement opposés. D'autre part, de tels boycotts semblent sous-entendre que la sexualité serait uniquement l'affaire des hommes et que les femmes pourraient s'en priver au final sans problème. Enfin, peut-être un problème un peu plus grave, de tels boycotts semblent limiter le mode d'action des femmes au sein de la seule sphère privée. Les femmes ne pourraient espérer avoir une influence uniquement au sein de la chambre à coucher et non pas dans la vie politique. En conclusion, nous avons vu que les expressions boycott du sexe et grève du sexe étaient problématiques car elles semblent se contredire. Le retour au premier boycott du sexe avec l'Illustrata nous a permis de montrer qu'il fallait plutôt parler d'abstinence sexuelle. Toutefois, cette origine était éminemment problématique, car chez Aristophane, une telle abstinence n'est qu'un sujet de plaisanterie. Cela n'a rien de sérieux. Nous avons vu enfin le cas de plusieurs appels ou de telles, dans lesquels il y avait un appel de telles abstinences qui avaient lieu dans les cadres un peu plus tragiques. Il s'agit alors de répondre à la question que nous avons soulevée au début de notre intervention. Le boycott du sexe est-il un bon moyen pour la société de s'opposer à l'État? Nous voyons qu'il faut le reformuler. Plutôt parler d'abstinence sexuelle. Et pour répondre à cette question, je voudrais laisser la parole à Lena Boé, qui, dans sa biographie parue en français en 2024, cette année, écrit: La grève sexuelle a duré pendant quelques mois. Elle a eu peu ou pas d'effet pratique, mais elle a été extrêmement utile pour attirer l'attention des médias. Ainsi, l'abstinence sexuelle est surtout un moyen de médiatiser une lutte. Si les expressions boycott du sexe et grève du sexe semblent faire de l'abstinence sexuelle par elle-même une action politique, cette abstinence est en réalité dépendante d'une action politique sur laquelle elle attire l'attention. Le terme de sexe, à peine mentionné, a la vertu d'éveiller et d'attirer systématiquement l'attention, qu'il soit prononcé dans l'expression boycott du sexe ou qu'il apparaisse simplement dans le cadre d'un abécédaire. Je vous remercie de votre attention.